Bonsoir, je suis Bob Lennon. Ah, ah, et aujourd'hui, j'applique le plan B, alias le plan Bonk. Bonk. J'aborde Bonké. Bonsoir, Fanta. Fanta, pas de voiture pour vous servir et bienvenue pour la suite de notre aventure. Aujourd'hui, on cherche une caisse pour emmener notre ami Diego. Bonk. De l'autre bout, à l'autre bout. De l'autre côté de la vanne, je vois un taxi. J'avais envie de très envie de bonker, mais il faut pas. Attends, bon, là, il y a pas de voiture avec des clignotants. Je reviens un petit peu en arrière. Là, j'ai une moto. Non, là, j'ai Fanta, j'ai. J'arrive. J'arrive vers toi sur ta position. Cool. T'es avec Diego ? Ouais, student driver. C'est une voiture d'auto-école. Oh, montre-nous comment tu conduis bien. Je t'emmerde. Je mets mes clignotants, moi, au moins. Ah, pour, pour l'anecdote, une fois, on a roulé en bagnole avec Bob sur une longue distance. Ah oui, c'est vrai, c'est pour le... C'était assez comique parce que pendant un moment, tu me faisais peur parce que tu roulais trop vite. Et toi, en fait, tu te forçais à rouler vite pour pas me ralentir dans ma moyenne. Oui, parce que tu... Et pendant je sais pas combien de temps, moi j'étais en train de flipper parce que t'allais vite, et toi t'étais en train de flipper parce que tu te forçais à aller vite. Oui, parce que moi, il faut savoir, chers amis, que je roule au rythme d'une grand-mère neurasthénique. J'ai déjà eu un accident dans ma vie, j'ai déjà vu des gens dans un accident dans ma vie, donc honnêtement, après ça m'a séché sec. Et là, Fanta, il arrive, il est confiant, il roule comme un space marine. Je me dis, bon, ben... On va... En plus, il a pas arrêté d'insister qu'il fallait aller vite. Donc, tu sais, on va en mettre un coup, quoi. Donc, je vais à 190 sur l'autoroute, comme le dernier des enculés. Fanta qui était bleu. Et c'est une safe house, Fanta. Si on arrive à la libérer. Ah, plan B, pardon. Plan Nickel. B marche bien. Yeah, c'était un bon souvenir. Ah non. Alors, mais... En fait, quand tu roules doucement, ça m'allait très bien. Ouais, voilà. Zone sécurisée nettoyée, Fanta, regarde des chiottes. Ah cool, on va pouvoir sauvegarder. Hop, déjà, j'ai une petite sauvegarde. Une petite sauvegarde qui fait du bien. Elle pue, hein, cette safe house. Hein. Non, moi je trouve ça honnête, y a pas de soucis là. 4 roues. Ah, excellent. 4 roues dans le guide de survie, ça veut dire qu'on peut activer un bouquin. Pense à activer un livre, Fanta. Comment on fait ça? Alors, c'est dans joueur. Dans joueur, c'est là où tu mets tes points de talent, d'attributs, tout ça. Ouais. Tu as une catégorie livre. Ah, pas con. Et en fait, le livre te donne un super pouvoir. Il faut que tu t'en équipes. En ayant le DLC, tu as un livre qui s'appelle l'apprenti mécano, qui augmente la durabilité de tes armes et des véhicules. Ouais, moi j'augmente la quantité de PP. Oui, bah pourquoi pas. C'est une bonne défense. Ok, par contre, chers amis, il y a des choses que je souhaite construire ici. Alors, vous m'excuserez, il faut que je pose certains trucs. Déjà, il faut que je pose ce méga flingue de l'apocalypse. Ensuite, que je pose ce catapulteur de hache, certes sympathique. Que je pose ce marteau sympathique, encore une fois, mais pas vraiment attribuable. Et là, dans casier d'armes, il me faut des grenades. Je vais les trouver. Ça doit être quelque part par là, voilà. Un lance-roquette. Je crois que c'est un réservoir de propane, un lance-roquette et des grenades. Je vais voir dans les objets combinés si je peux pas trouver la méga bombe. Elle est là, grosse bombe. Hache, la grosse bombe. J'ai la solution finale, Fanta. Et là, ça y est. Grosse bombe plus grenade égale la méga bombe. Et quand je dis la méga bombe, c'est pas pour déconner. C'est la méga bombe. Ça, c'est du super matos. Et genre la méga bombe de l'honnêteté plus 4. Hein. Ensuite, qu'est-ce que je voudrais comme objet? Je voudrais peut-être une arme supplémentaire. Je peux avoir le comment ça s'appelle? Le double déchiqueteur. Super, c'est génial ça. Je regarde éventuellement s'il y a d'autres trucs. Le canon détonant, la bombe automobile, le rayon de poitrine. Ouais, le déchiqueteur, c'est bien ça, cette arme. Et file-les-moi que je puisse les avoir, mettre dans mon casier aussi du coup. Eh ben écoute, oui, bien sûr. Je vais faire ça. Alors, je prends tout. Voilà. Je vais poser les miennes là, regarde, hop. Je vais poser ce déchiqueteur, ce fameux déchiqueteur. Le fameux bâton de givre. Bâton de givre plus 4. Bannissement du feu. Et le reste, ça ne sont que des objets annexes. Oui, ça passe celui-là. La bombe, ouais, voilà. Attention avec cette bombe. Attention, putain, le gars, il la lâche. Genre, non, il la lâche. C'était pas pour la prendre, c'était pour l'avoir dans mon inventaire. Oui, je sais, mais j'aime bien quand ton mec la jette par terre en mode bonk. Pff, rien à foutre. Moi, les mecs. Pff, allez, j'en ai rien à péter.
pistolet du sergent. Et bah écoute, je vais voir si je peux pas en choper une en plus comme ça. Juste une petite. Une arme à feu. Ouais, parce que le pistolet du sergent, il est bien sympathique quand même. On a des trucs à faire. Ouais. Ou même le canon lubrique. Peut-être ça sert à quoi la méga bombe? Tu la lâches et puis tu te barres? Et bah en fait, c'est un gros objet. Si j'appuie sur Y, enfin sur jaune, lorsque je suis au milieu d'un truc, il va faire pip 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 sur le panneau de contrôle du truc. Et après, il faut partir! Regarde, super! On peut faire un super exemple. Tu peux voir de cette fenêtre. Viens voir dans la sécurité de ton confort de la maison intérieure. Viens voir, Fanta. Ouais. Et d'ailleurs, alors, en fait, attends. Juste avant, je vais changer de vêtements. T'as raison. Je vais me remettre dans une tenue acceptable, chers amis, pour les cinématiques qui vont venir. Et oui, parce qu'il va y avoir de l'histoire. Je sais, incroyable. C'est pas fantastique. Est-ce que je peux avoir une veste ligne de snow? Ah non, je voulais pas toute la tenue, non. Moi, j'aime bien. Moi, c'est ça, c'est qu'il te fait changer carrément de gueule. Bon, écoute, s'il insiste. C'est un peu bizarre. S'il insiste. Ah bah ok, ouais. C'est pas compatible. Ouais. Ouais, fini d'avoir l'air d'un plouc. De toute façon, ça peut être que mieux. Oh. Ouais, pourquoi pas. Blouson en cuir. Pantalon classe. Plutôt bien. Ça me va pas bien. Et pour les bottes. Ça tue. C'est quoi ça? Des bottes. Ça craint. Pour le reste, non, je suis nickel. J'aurais pu prendre le style Bryce de Nice, mais voilà. Ça okay. Me rappelle des trucs moches. Ah, Fanta, viens voir, juste 5 secondes, tu pourras changer. Je mets juste des chaussures quand même, ouais. Tu pourras changer juste après que j'ai fait ça. Mais là, honnêtement, ça vaut son pesant de cacahuètes. Ok, mets-toi à cette fenêtre. Juste pour que toi, tu puisses apprécier la beauté du spectacle. Ah, mets-toi à cette fenêtre. Tu vois la population de zombies qu'il y a vers le camion de pompiers? Ouais. Je reviens. Ah, excuse-moi, je reviens, je maîtrise, hein. Pas de panique. Ok, j'espère juste que moi j'aurai le temps de m'éloigner cependant. Parce qu'avec une population de zombards comme ça. Ok. Bip 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 blip bloop. Come on. Oh, énorme. 96 victimes. Yeah. Ok, Fanta, on y va. Ça donne envie. Ouais, t'as vu, hein. Ah yeah. Bon, allons-y. On rush, nous sommes à 492 mètres cependant. On prend encore le taxi. Cool. De l'autre côté, Fanta, de l'autre côté. Ouais, autant que possible. C'est bon. Super. Et là-bas. Allons-y, je sais que ça nous fera pas gagner tant de distance que ça. Mais écoute, waouh. Excuse-moi, tout va bien. Je sais donc que ça nous fera pas gagner tant de distance que ça. Mais écoute, hein. The more we get, the more we go. Ce soldat mort qui tire au pied. Ouais. Cassos. Ah putain. Wow. Ça va, Fanta? Ah ouais, tout va bien. Alors lui, il avait une abeille rouge dans le dos. Tu sais que c'est la nuit, au fait. Ouais, l'abeille colle, tu connais. Le problème, c'est que c'est la nuit, donc ils sont plus résistants et ils font plus mal. Est-ce que l'abeille colle, Bob? Je ne répondrai pas à cette question. C'est la dissidence et... Oh. Au secours. Pardon. C'est pas moi, la fille. Je l'ai fini même pas. Il le mérite pas. Ah bouh. Pas mal, lâche. Excuse-moi, c'est juste que je suis inquiet parce que je sais pas comment on va passer ça. C'est parti. Et je suis vraiment mort, en fait. Ah ouais, comment ça Tout va bien. T'en fais pas, je vais gérer. Je vais trouver une alternative, je vais réfléchir à mes options et je vais... Là, un marteau. Je devrais pouvoir faire quelque chose avec ce marteau et cette hache en espérant que ce soit pas un vrai... C'est pas un vrai, super. Moi, j'ai de quoi passer, Baba. Ouais. Montre-moi comment tu fais, vieux. Oh ouais, ça marche. Passer, c'est pas ce qui m'inquiète, c'est... une bouteille d'eau, super.
Lifesaver. Bah, whoop, motherfucker. Ok, une bouteille d'eau, super. Ok, ok, ok. Arrière, pardon, excusez-moi, madame. Pardon, pardon, pardon. Dead Rising 3, bien joué. Wouah, un débile. Pareil. Mon dieu, mon dieu, mon dieu. C'est pas grave, c'est pas grave. Arrière, arrière, aïe, 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 aïe. Je me suis fait toucher. Comment tu partout. Le fais le rayon pénis? Moteur de moto et un. Comment ça s'appelle? Un. Micro-ondes. Micro-ondes, tout à fait. Je suis mort. Oh, du jus d'orange. La vie, le bonheur de ce jus d'orange. Ok. On va peut-être y arriver, Fanta. On va peut-être y arriver. Ouh, attends, ouais, bien, moi je gère. Ah oui, non, je gère pas du tout. Je vais mourir, moi aussi. Bon, écoute, fuck it. Hein. J'aurais été classe pendant très peu de temps. Ok, faut que je me barre. C'est pas grave, en courant. J'ai trouvé une pomme au cas où. Au cas où tu tombasses. Là, ça devient chaud. Le esquive. Aïe. Ok, 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 ok. 232 mètres. Je suis à 175, mais ça servira à rien parce que j'ai pas compris. Ah ouais. Arrière. Je vois plus rien, tellement je suis pas bien. Hop. Là, on veut à bouffer. Moi j'ai une pomme, Fanta. Ah, là il y a la maison de striptease. Je devrais trouver des trucs à l'intérieur. Oh putain, les zombards qui tombent. Cool. Que l'intérieur. Alors, musique de Barry White. Oh, de tournage. Oh. Pardon. Donc tu es à l'intérieur, oui, musique de Barry White, oui, très bien, très bien. On est encore loin de cet objectif secondaire. Est-ce qu'on il faudrait que tu vois l'endroit, si tu l'as jamais vu, c'est un studio de tournage. Je me suis enfui, Fanta, je me suis enfui, comme un caribou. C'est trop chouette, j'espère qu'on aura l'occasion. Il y a un studio de tournage avec trois... Misère. Trois aura, décors sympas. On aura sans doute l'occasion, je pense. Ok. Ok, ok. Un truc de torture, un truc spatial et... Ok, bon, bah tu t'es barré, je suis trop loin. Mais on y était... Ah non, c'était pas là. Quoique, j'ai un doute. On y était à ce set de tournage, mais c'était pour choper l'autre, donc ça devait pas être dans le même quartier. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, ça doit ressembler, mais c'est pas tout à fait ça. Une pomme avariée. Tant pis, je gerberai. Ouais. Blark. J'ai trouvé la porte. Une méthode originale. Je suis à 100 mètres de Bob. Allez, venez. Venez, les filles. Je vous attends, Dovahkiin. Approche. Arc. Oh, bien joué. Tu es là, viens, viens, viens. On arrête ça tout de suite. T'occupes pas de ces chiens. D'accord. Go, 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 go. Super. Ah. C'est l'endroit où on a l'avion. On a l'essence, cool. On a les clés, on a l'autre abruti qui se prenait pour Buzz Armstrong et... C'est vous, les gars. T'es sérieuse? J'ai peur, Nick. J'ai toujours peur de voir entrer un truc horrible. Un truc encore pire que ça. Et pourtant, je porte une robe. Ouais. Jolie peinture. Je pensais qu'il serait mort, mon Dieu, Nick. Quelle robe. Mais t'es sûr qu'il est stable? Ouais, ouais, il va très bien. Je crois... Nous avons reçu une vidéo confirmant la mort de la présidente Paddock. Le général Hemlock a annoncé que la loi martiale allait maintenant être étendue à tout le littoral est, la menace de contagion étant trop élevée. Putain. Hemlock se déplacera en personne aux abords de Los Perdidos alors que l'opération de sauvetage se poursuit. C'est pas vrai. Le monde est vraiment mal en point. Juste les USA, ma belle. Mon chou, faut que ça, je vois où on peut trouver les pièces qu'il nous faut. Quelques heures, peut-être. T'en fais pas, Fanta. T'es proche de Madagascar. Si jamais il y a une pandémie... C'est simple. Shut down everything. C'est ça. Ah, putain, j'ai de la chance. Un feu rouge et un réservoir de propane. Hey, un feu rouge et un réservoir de propane, j'ai dit. Il veut pas m'écouter. Merde.
ça suffit pas. Le moteur, je peux mettre quoi avec? Wait, attends, wait. C'est ça, le feu rouge, la batterie et le réservoir de propane. C'est quoi? Bâton de bâton électrique de feu. Tiens, fais-le tomber que je le ramasse, s'il te plaît. Bien sûr. En mode gros paresseux. Hop. Ah, un appel. Excuse-moi. Intéressant. Y a pas un micro-ondes qui traîne, une bouteille d'eau, du bonbon. Y a pas mal de choses hein, dans cet endroit. Hein. Ça va que c'est honnête ici. Beaucoup de moteurs par contre. Difficilement ce que je pourrais en foutre, mais. En temps de pollution, on va être un peu torse-poil. Être torse-poil lors d'une invasion zombie, je vous le déconseille, brave gens. Mon humble avis. Oh, une tenue de tennis. Cool. Alors, plan d'armes. Festif, mais pas trop. Non. Puff, voyons voir le matos qu'on a. On veut pas y retourner. Moteur et épée. Ou couteau. On veut pas y retourner, chers amis. Ils sont assez violents dehors. Hein. Je sais pas si vous avez vu, mais on s'en est pris plein la gueule. D'habitude, on était meilleur que ça. Et... Ah, une scie glissante, parfait. Si tu vois un couteau quelconque ou un truc qui ressemble à un couteau. Entendu. Je dois avoir ça et. Ah. Eh, hey, vieux. Un grand gaillard amoché sur la route du côté d'Ingleton. Va en paix, mec. Go with Christ. Je vois une tronçonneuse là-haut. Peut être intéressant. Ah, un fusil de paintball. Un couteau. Ouais. Et où Fanta? Je suis monté sur le. Quatre non, Fanta. Je cherche. Fanta. Bouge pas, qu'est-ce que t'as fait? Bouge pas. Aïe. Tu as déjà joué en vrai? C'est super sympa. Ouais, ça fait super mal surtout. C'est clair. Ah, ça y est, j'ai trouvé mon couteau. Ah, ah. Bien joué, Fanta. Effectivement, c'est une épée. Ouais, épée large, alors que Broad je vais sword. Combiner ben, avec ceci. L'huile de moteur. Tout ceci est tellement bon pour fabriquer une épée enflammée. Oui. Oh, c'est tellement la classe, Fanta. Si je récupère de l'huile de moteur et qu'on trouve un couteau un jour, tu voudras bien. Oui, t'en faire une, ouais. Merci. Parfait. Eh bien, écoute, dans ce cas-là, on est parti. On a deux personnes à sauver. Voyons voir le plan de route. Plan de route, Fanta. Quartier à droite et. Ah. C'est les deux pires plans qu'on pouvait avoir. Non, ça devrait se goupiller. Ok, Fanta, on y va. Sortons d'ici déjà. Par où on sort? Pardon, ma puce, voilà. Ah, il y a un pantalon. Il est bien ce pantalon? C'est un pantalon de secouriste. Ou un pantalon de flic, j'ai pas fait voilà, gaffe. Moi, ridicule, ouais. Puff, torse poil, je suis juste smexy comme ça. Et... Ouh, encore un appel, excellent. Il y a un mec affamé à la boutique de t-shirts de Central. Il mate les sons. J'aurais tout vu. Oh, mort aux riches. Voyons voir. Réfléchissons. Ah, j'ai une tête d'humain. En niveau look, je veux dire. Attends. Ça faisait longtemps que ça m'était pas arrivé. Montrer voler. Allez, Bob, on fait une petite action épique là. Parce que sinon, ils vont rester sur leur faim, les amis. Oui, non, je. Ah, parfait. Ok, rien à déclarer. On commence par monter tout en haut, Fanta. On monte tout en haut. Excusez-nous, hein, il faut quand même qu'on se mette les chemins de route, sinon on va aller nulle part. Ok, il nous faut un véhicule. Un véhicule... Là, je vois un taxi. Bien joué. Il n'est pas du tout en état de marche, c'était un piège, ok. Très bien, on continue vers le nord, on s'inquiète pas, Ah, j'ai oublié de me nourrir pendant qu'on était à l'abri. Oh putain, les pieds enflammés, génial. On se panique pas. Yeah, voilà, là on envoie un avec. Ah, j'ai pas le bâton, c'est Fanta qui l'a. Par la grenade. Arrière. Ouh, j'ai pas vu l'action. Il est pas mort. Il veut rien dire, ce méchant. Oh, putain. Par contre, moi j'ai besoin de bouffer. Ouais, absolument. Non, mais c'est pas vrai. Ok. Pas d'arbre. On peut entrer dans ce bâtiment. Je sais pas, j'essaie de traverser en fait tous les bâtiments. Ah, ça y est, il y a de la bouffe. Super bien joué. Je
j'essaie de traverser les bâtiments et j'essaie d'aller au nord. Mais le problème, c'est que l'infrastructure ici est tellement niquée. Toute la ville est tellement défoncée, en fait, Fanta. Ah, un camion de glace et une pelleteuse. On va pouvoir faire quelque chose avec tout ça. Ça y est, le chariot détonant. Super, un chariot lance-roquette, si tu te souviens. Monte à l'arrière, Fanfan. Ok, je sais pas où il est, le Bob, mais il est équipé. Pour votre plaisir. Ouais, c'est vrai que, c'est vrai que j'ai du bon matos. Et, oulala. C'est quoi ce bordel? Et, Bob? Ouais, ouais. Mauvaise nouvelle, c'est l'heure de FB. Déjà, sans aucune forme de pitié, on peut pas leur donner 2-3 cours de roquette dans le public d'abord? Ah, si, 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 si. Vas-y, roquette! Roquette away! Encore! Les polars d'épices, c'est le 31! Fuck the police! On profite! On maîtrise rien du tout! C'est le 31 aujourd'hui? Alors attends, je calcule. Ah, 30... Soit aujourd'hui, soit demain, mais c'est tout à fait approprié. D'accord, bah continue de tirer des roquettes! Oh, oh, oh! Des joyeuses années, bande d'enculés! Ok, je fais le demi-tour. T'as vu, t'empêches, c'est fou le. Ah, mais ils sont en palais, Fanta! Regarde-moi cette brochette de fumier! Ça va? Attends. C'est parti sans moi. Ils sont en palais à l'avant. Voilà. Ah, génial! Bah eh ben écoutez, bah écoute, mon cher Fanfan, FBF! Fanta Bob Force! Full Force! Et rendez-vous demain pour la suite! Et arrête d'habiller ma bagnole, monte à l'arrière! Allez, bisous! Je l'habille? Oui, monte à l'arrière, monte à l'arrière.